On est l'URC ! On est l'URC ! Il va falloir s'habituer à l'URC, l'Union Rugby Centre 78, née de la fusion entre deux clubs, le Sky Rugby et Montigny-le-Bretonneux. Sous leur nouvelle couleur bleu-noir-vert, l'URC des Yvelines lance son histoire avec une victoire bonifiée. Score final 32-13 face au Red Star de Saint-Ouen. Grosse bouffée de plaisir, puisqu'on partait un petit peu dans l'inconnu, on ne savait pas où on en était. On a bien travaillé depuis un mois et demi, et puis on voit que l'état d'esprit est là. C'était l'un des fondements sur lesquels on veut s'appuyer, l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on a eu l'état d'esprit, et puis on a eu un peu de volume de jeu, donc on est très satisfait. Ouais. Les unionistes saint-quentinois ont bien entamé la rencontre. Ils profitent des fautes de Saint-Ouen pour se procurer des pénalités, des erreurs techniques des visiteurs pour inscrire un essai. L'URC mène rapidement 11-3. Mais juste avant la fin de la première période, les Yvelinois se font surprendre par le Red Star. Les passes sont dans le timing et envoient le numéro 15 à l'essai. Le score à la mi-temps, 11-10. Au retour des vestiaires, l'URC 78 reprend le jeu en main et suite à une touche, les trois quarts lancent une combinaison et le capitaine Pierre Martin transperce la défense et s'en va inscrire un nouvel essai entre les poteaux. C'est des combis qu'on a peu travaillé, mais c'est vrai que derrière on a des joueurs qui ont du ballon, même si le groupe en tant que tel n'est pas encore très 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 bon, on va dire, sur la notion de groupe. Il y a beaucoup d'individualités qui font qu'on va aller très loin et le groupe va se former très très rapidement. Les unionistes vont ensuite subir les assauts de Saint-Ouen et vont commettre beaucoup de fautes en défense. Ils vont être réduits à 14 plusieurs fois à cause de deux cartons. Le gros point noir aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas su défendre sans faire de fautes. Donc à chaque fois qu'ils avaient le ballon, qu'ils nous mettaient un peu de pression, on a fait beaucoup de fautes, soit des fautes de hors-jeu, soit des fautes au niveau de la zone plaqueur plaquée. Donc il faut qu'on apprenne à défendre sans faire de fautes et on récupérera les ballons. Avec l'entrée des remplaçants, l'URC va inscrire deux nouveaux essais et s'imposer en fin de rencontre. Pas encore d'objectif précis fixé cette saison, juste le plaisir de jouer ensemble au sein de l'Union Rugby Centre 78.